Bonjour à tous. Hello Nathalie, comment ça Salut va? Delphine, ça va bien et toi? Eh bien, ça va super bien. D'autant plus que ça va encore mieux depuis que je sais que tu vas nous faire pas encore un tour de France, mais que tu commences à sortir de ton cabinet. Et donc, on Ouais. vient vous parler de ça pour vous tenir un peu au courant parce que c'est, notez-le dans vos tablettes, hein, c'est pas tous les jours que elle s'exporte. C'est Donc, vrai. aujourd'hui, voilà, on voulait vous parler. Donc, Nathalie va descendre à Beaumont-de-Lomagne, donc dans le sud entre Montauban et Toulouse, pour une journée de conférence qui aura lieu donc le 22 octobre 2024. Donc on va vous mettre le programme en bas. Et donc Merci. je voulais savoir si tu pouvais nous parler un petit peu de cette journée de de quoi tu vas parler, qu'est-ce qui va s'y passer. Alors, c'est une journée qui s'appelle d'exploration du soi. Donc, en fait, le but est d'aller connecter notre âme d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, on va Wow. commencer par une méditation, donc pour l'ancrage, pour l'ouverture de conscience, donc dans les deux sens, c'est-à-dire, voilà, pour les yin, ce sera plus l'ancrage, et pour les yang, ce sera plus lâcher prise et autoriser cette connexion au divin. Après, il y aura une discussion autour de différents thèmes de spiritualité dont je parle tout le temps, puisque voilà, autant servir de tout ce qu'on se dit, puisque voilà, on n'arrête pas de parler ça, que ce soit dans mes guidances ou dans autre chose. Donc, sur l'ego, sur les blessures de l'âme, sur tout ce qui peut arriver en ce moment au niveau des énergies, tous ces ressentis qu'on peut avoir et ces intuitions et qu'on ne sait pas trop quoi en faire. Voilà, donc il y aura ça. La méditation avant, évidemment, aura aidé à relâcher les choses et à laisser venir, voilà, certaines choses que les gens peut-être ne diraient pas en public ou en groupe, mais là, les choses vont en fait, ils vont se rendre compte très vite qu'ils ne sont pas seuls au monde à vivre ça. Et donc, ils vont se sentir en sécurité à pouvoir dire, voilà, à pouvoir dire, ben oui, moi, je vois des choses, j'entends des choses, je vis des trucs un peu, comment ça se fait, quoi? Enfin, voilà, est-ce que je suis fou? Voilà, on me dit ça souvent, hein. Donc, mais là, ben non, c'est juste que la limite entre le monde invisible et le monde visible est devenue assez fine avec ce taux vibratoire de la Terre qui augmente, et donc, voilà, c'est normal. Donc voilà, j'avais envie de rassurer un peu. Ensuite, il y aura un repas hein, qu'on aura préparé avec Bernadette, toutes les deux, puisque c'est elle qui nous reçoit. Donc Bernadette, juste pour les personnes qui vont nous écouter, donc Bernadette, elle est à Beaumont-de-Lomagne et elle est Voilà. kinésiologue. Et Exactement. donc du coup, voilà, elle fait partie des personnes de notre entourage, on va dire C'est ça. proches. Voilà. Et c'est aussi une très belle personne. Donc Exactement. on la remercie d'ailleurs d'organiser cette journée et d'y avoir pensé. Tout à fait. Ben, c'est quand elle est venue à son week-end bien-être, il n'y a pas si longtemps, qu'elle s'est dit, mais oui, j'aimerais bien que d'autres gens profitent de ça. Voilà. Donc l'après-midi, on fera une hypnose. Là, il y aura une initiation à l'hypnose régressive, donc en groupe. Donc il y a une préparation un peu plus longue. Et puis, on ira explorer une vie antérieure selon les intentions de chacun, les blocages de chacun. Et puis, ben, ensuite, on débriefera. On va libérer ce qui doit l'être et on débriefera sur ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, etc. Voilà, donc c'est tout un programme. C'est vrai que c'est assez ambitieux, mais bon, je l'ai déjà fait, alors je sais que ça peut fonctionner. C'est vraiment très chouette quand ça. Enfin, voilà, cette connexion, elle est incroyable. Je vais aussi faire des soins en individuel, c'est-à-dire que les personnes J'allais en qui veulent, parler. voilà, qui veulent, qui voudraient, puisque j'arrive le dimanche soir, donc. Je serai là le lundi et le mercredi, donc le 21 et le 23. Donc, du coup, voilà, je peux faire des soins individuels. Bernadette a une table de massage, donc ça inclut aussi mes massages s'il y a besoin. Voilà. Super. Donc voilà, donc en tout cas, c'est une belle possibilité pour les personnes, en tout cas, qui sont dans le coin. C'est ça. Déjà de venir te rencontrer sur cette journée, de rencontrer Bernadette.
qui Exactement. va les accueillir et en même temps, bah, pourquoi pas de tester non pas tes soins comme moi je l'ai fait longtemps comme j'étais en Argentine par Zoom et j'étais très très Ça. contente de les tester en présentiel parce C'est qu'il y a vrai. quand même on est quand même des êtres humains et c'est vrai que le Zoom, enfin la visio, ça a tendance à couper les barrières du monde, je dirais, mais on aime bien quand même, moi j'aime bien quand même de temps en temps me reconnecter avec voilà, avec les personnes avec qui je fais des soins parce que c'est hyper important en fait d'avoir ce contact. On est des Donc tactiles, nous, hein, aussi, hein. Donc, et voilà. c'est ça, on fait pas du massage pour rien. Ben non. Donc, voilà, on aime bien. Puis se faire masser, c'est différent de faire un soin. Même si moi, je peux voir la même Complètement. chose dessus, ça reste un temps qui est incroyable. Voilà, y a un 4 en 1, là, pour moi. Le massage, c'est un truc de ouf. Oui, ça reconnecte vraiment bien la personne à son corps et en même temps, toi, avec tes capacités justement de soins énergétiques et karmiques, ça duplique en fait C'est ça. le massage, qui pour moi, le massage reste toujours un soin, c'est un soin du corps, mais là, on peut faire vraiment un soin complet en termes énergiques. Et Donc voilà, donc en peu là, de c'est temps, en plus, en c'est-à-dire peu de puisque, temps, exactement. voilà, 1 heure et demie, ça semble pas beaucoup de temps, mais en fait, d'ailleurs, je peux voir plein de choses pendant ce temps-là, quoi. Donc, tout ce qui doit être libéré ce jour-là peut être vu. Donc, voilà. Donc, ça va vite, en fait, finalement, quand on se rend compte. Donc, voilà. Complètement. Donc, n'hésitez pas. Donc voilà. Donc Nathalie sera du 21 jusqu'au 23, donc à Beaumont-de-Lomagne. C'est Donc ça. si vous êtes entre Montauban, Toulouse, voilà, ou prêt à prendre le train pour venir passer une journée à Beaumont-de-Lomagne, ben, pour la journée d'exploration du soi, ou pour prendre un soin avec Nathalie, ben, n'hésitez pas. On va vous mettre le petit flyer en bas. Il y a le numéro de Bernadette que vous devez contacter parce que c'est elle qui se charge de prendre des rendez-vous, C'est ça. en tout cas les inscriptions sur la journée d'exploration du soi. Et si vous avez besoin, si vous avez envie de prendre un rendez-vous, n'hésitez pas à le mettre ou envoyer un message privé ou dans notre groupe de Métamorphose. Ou contacter Bernadette qui va se reporter sur Nathalie. Tout est possible. On va Il n'y a pas de souci, voilà, s'interconnecter. on fera ça bien. Voilà. Et du coup, n'hésitez pas parce que voilà, c'est quand même. Moi, je connais un petit peu Nathalie maintenant et qu'elle descende dans le sud, je trouve ça génial. Et j'ai quand même fait une partie de mes études à Toulouse, hein, donc je connais le chemin. Hein. Ah bah voilà, tu C'est vois. juste que j'y suis pas allée depuis un long moment, ça c'est clair. Mais c'était intéressant de pouvoir y retourner. Voilà, c'est pas anodin en effet, ce petit chemin. Mais l'année dernière, je suis allée à Mayenne quand même, dans la C'est Mayenne. vrai, c'est vrai. Donc voilà, je me déplace. Je suis allée en Suisse. Je suis aussi allée à Anvers. Donc je vais chez Très différentes personnes. bien. Quand on m'accueille, moi j'arrive, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, et Mais ben c'est et bien, tu ben as fait justement, la c'est la bonne transition. transition. Pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. Parce que du coup, en remontant de Toulouse, donc Nathalie va s'arrêter chez moi à Paris. Donc elle sera à Paris le 25. Laissez-moi vérifier. Oui, le 25. Donc si vous souhaitez qu'on organise la même journée d'exploration du soi pour le 25, ou si vous préférez des soins plutôt énergétiques, parce que moi je travaille au sol. Donc par contre, moi je peux vous faire des massages Voilà. énergétiques, ayurvédiques et énergétiques. Et Nathalie peut vous faire les soins karmiques. Donc on peut faire des combos. Tout est possible. En tout Exact. cas, n'hésitez pas. De la même manière, vous pouvez mettre un message en bas ou vous pouvez aussi m'envoyer un message. Du coup, comme ça, je vais répertorier s'il y a des personnes qui sont intéressées. Et puis, on peut monter rapidement puisque la journée est déjà prête et que Nathalie a déjà tout C'est préparé. ça. Donc, on peut C'est la là. dupliquer, j'irai partout. Et en même temps, ça nous permet de vous rencontrer, de vous connaître et de passer un agréable moment d'échange, de partage, qui me semble aussi très important dans ces énergies qui bougent beaucoup. Il y a quand même beaucoup de, peut-être pas beaucoup d'entre vous, mais moi autour de moi, j'ai quand même beaucoup de gens qui se posent beaucoup de questions.
C'est sur, ça. bah, sur ce qui se passe dans leur vie actuellement. Il y a beaucoup de transformations au niveau aussi du travail, beaucoup de pression, beaucoup de, et il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu désorientés. Donc ça peut simplement aussi, c'est l'exploration du soi, bah, c'est aussi se reconnecter avec soi, tout simplement, Ça, tout simplement. et libérer et voir s'il y a des blocages. Et du coup, c'est une belle opportunité en tout cas. Est-ce que Exact. tu veux rajouter quelque chose, Nathalie? Ben non, mais en tout cas, que ce sera un plaisir de vous recevoir, qui que vous soyez. Venez comme vous êtes, comme on dit. Hein? C'est vraiment ça. Nous, après, on aime ça. Ça se sent, je pense. On a fait ça depuis. Enfin, voilà, je le fais régulièrement. Oui, je sors de ma grotte. J'ai envie. Voilà. Super. Donc, je le répète, du 21 au 23 octobre, donc Nathalie sera à Beaumont-Domagne. Le 25, elle sera à Paris. Donc, on prend vos réservations. Vous pouvez nous envoyer des messages privés, les noter en bas pour qu'on vous recontacte. Il n'y a vraiment aucun souci. On le fera avec grand plaisir. Et puis, ben, on vous souhaite une très, très belle journée et à très bientôt. Merci Delphine, à bientôt.